Bonsoir, je vous propose un cours de pilates ce soir. J'espère que vous avez passé une excellente journée et si ce n'est pas le cas, on va passer un bon moment ensemble. J'ai publié des indications aujourd'hui en rapport avec tous les bienfaits du pilates. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder l'article, vous pouvez toujours le regarder sur ma page Facebook. Le pilates, voilà, je ne perds pas plus de temps, je ne fais pas plus long et on va démarrer directement avec un échauffement en musique. Et on va commencer par respirer. Je vous laisse encore quelques instants pour vous connecter. Allez, on est debout. On a notre tapis. Si c'est la première fois que vous faites du pilates, vous n'avez besoin de rien, par des vêtements confortables. D'accord? Je proposerai différentes options, différents exercices. Vous pourrez choisir et adapter en fonction de vos capacités à la maison. Parce qu'on peut être. Voilà, peut-être plus tonique, plus résistant musculairement, mais peut-être moins fort au niveau de l'équilibre, ou alors meilleur en souplesse et moins fort en force. Donc tout ça, on va allier un petit peu tout ça et c'est vous qui allez déterminer. Allez, on va se laisser respirer, relâcher toutes les pressions. J'espère que vous avez réussi à faire du calme autour de vous. J'ai également les enfants à la maison. Inspirez, soufflez. C'est l'occasion où je leur laisse un temps libre, où ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Voilà, il y a les temps d'activité scolaire et il y a aussi les temps où on se détend. Allez-y, inspirez. Lâchez toutes les pressions, tout ce dont on n'a plus besoin. Encore, profondément. Peut-être mettre ses mains sous le bas-ventre pour essayer de visualiser ce chemin d'air. Alors ne croyez pas que la respiration est une perte de temps. Parce que le nombre de personnes qui font du sport qui ne savent pas respirer et même ne pas savoir respirer au quotidien, c'est une grande, grande source de stress. On retient cette boule-là. Donc on va prendre ici, même si c'est qu'une petite minute, une posture droite. Vous pouvez fermer les yeux si vous préférez. Prenez le temps d'inspirer profondément. Prenez le temps, voilà, de visualiser l'air qui rentre par le nez, par la gorge. Et puis ensuite, le long de la cage thoracique qui remplit l'air des poumons. Et puis il y a également d'autres muscles qui se mettent en place. Il y a le muscle du diaphragme dont je parle souvent, qui descend à l'inspiration et qui, vu qu'il descend à l'inspiration, va faire gonfler légèrement le ventre. Et au moment de l'expiration, essayez de sentir vos muscles abdominaux, puis le diaphragme remonter, la cage thoracique se vider profondément et l'air ressortir complètement. Alors là, je l'ai dit lentement, mais faites ce chemin encore plusieurs fois. À chaque fois qu'on inspire, tout ce qu'on inspire nous fait du bien, nous remplit. L'oxygène vient amener de la vie partout dans notre corps, vient diffuser via le sang à tous nos organes. Et je souffle profondément. On essaie d'en faire encore une. Des gens stressés ont beaucoup de mal à faire cet exercice. C'est un exercice de lâcher prise où on prend du temps que pour soi. Si vous voulez faire la méditation, si vous ne savez pas respirer, vous n'y arriverez pas. On peut toujours méditer sur les problèmes, mais en général, la méditation, elle n'est pas apaisante, elle n'est pas reposante. Et je vous propose de relâcher. Sur la prochaine, on va aller sur les côtés, fléchissez légèrement les genoux, et je vais chercher loin à droite et loin à gauche. Est-ce que vous voyez que mon bassin ne bouge pas? Ça se situe au niveau de la taille. Mes doigts vont chercher loin sur le côté. Encore. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Encore une. J'inspire et je souffle et je relâche. Mes deux bras montent au-dessus de moi, mes épaules sont basses. Et ici, je vais lever qu'une épaule et je redescends. Allez-y. Une épaule et je redescends. Encore une fois, cherchez à allonger tout ce côté et réveillez-moi votre épaule. Encore deux. La dernière. Gardez les épaules basses et roulez vers l'arrière. Pareil avec l'autre. Montez et relâchez. C'est de sentir ce qui se passe dans votre épaule, dans votre omoplate, dans votre côté. Et je relâche, je souffle. Encore deux. Soufflez. Une dernière. Très bien. Deux mains, vu qu'elles sont en l'air, j'attrape mes doigts et je pousse très très haut, sans creuser mon dos. Et si vous connaissez cet exercice, on le fait souvent. Tirez loin, loin, loin vers le haut et pensez à descendre vers le bas, vos fessiers, votre coccyx qui va direction du sol. Et je relâche. Et puis encore des mouvements d'épaule vers l'arrière. Très bien. Doucement, la tête par la droite. Je viens poser ma main. Je monte mon bras
je souffle. Encore, je monte. Je souffle. Et lorsque je descends, je sens l'étirement s'installer. J'inspire. Je souffle. La dernière, j'inspire. Je souffle. On ne bouge pas la tête. Et délicatement, je remonte. Je me regrandis et je pars tranquillement de l'autre côté. On assouplit, on détend les cervicales. J'inspire. Allez, apprenez à détendre les articulations les plus douloureuses avec la respiration. Encore, allez-y. Je vous entends souffler. Encore. Très très fort. Deux dernières, j'inspire. Peut-être que c'est plus douloureux d'un côté que de l'autre. Une dernière. J'inspire et j'appuie sur l'air. Très très bien. J'enlève mon bras et je détends. Si vous ressentez le besoin de bouger un peu à droite à gauche, on y va. Ok, sur la prochaine, je vais faire des flexions et je ramène. Je souffle, mes fessiers partent vers l'arrière, mon poids du corps est plus dans mes talons que dans mes orteils. On n'en fait pas beaucoup. Très bien. C'est avant d'introduire le prochain où on va avoir de l'équilibre. Encore. Deux dernières, poussez loin, loin, loin les fessiers vers l'arrière. Si vous pouvez, descendre même un peu plus bas. Et on relâche. Très bien. Je suis ici. Encore. D'autres petites flexions de genoux. C'est juste le temps de finir d'échauffer. Tranquillement pour le suivant. 5. 4. Plus bas. 3. Encore plus bas. 2. La dernière. Ok. Très bien. Je reviens de face, je repositionne mes pieds. On va retrouver les 5 référentiels. Je serre mon périnée, mon bas-ventre est tenu. D'accord ? Ensuite, je rentre mon ventre et je place ma rétroversion du bassin en serrant mes côtes. Mes épaules sont vers l'arrière, ma nuque est bien allongée. Je vais ouvrir un bras et une pointe. Je vais bien me tenir en équilibre sur cette jambe. Je ramène et j'inspire. Je ramène. Et j'inspire. Encore 3. Je ramène, arrondissez et j'inspire. Et j'inspire. La dernière. Je reste ici. Des petits sur le côté. Allez-y. Mon genou regarde vers l'avant. Il ne regarde pas vers le haut. C'est les dernières. 5. 4. 3. 2. Et je stabilise. Hop, je retrouve mon équilibre. On va faire la même chose. Je tire un bras, transfert de poids du corps. Et j'inspire. Grandissez comme une étoile. Et j'inspire. De chaque côté, ça tire, ça tire. Encore 3. Et j'inspire. Encore. Arrondissez le dos. Deux dernières. Et j'inspire. La dernière. Et on aura ensuite les petits sur le côté. Allez, on travaille son équilibre, sa force. Des petits sur le côté. Descendez les épaules. Ouvrez la cage thoracique. Respirez. Les dernières. Très, très bien. Pour le réveil articulaire. Je monte sur ma demi-pointe et je descends. Je monte sur ma demi-pointe et je redescends. Allez-y encore. Et je descends. Très très bien. On va monter avec les bras en même temps. Allez-y. Je monte et je descends. Je monte très haut, plus sur le gros orteil que sur les petits orteils. Je monte et je descends. Dernière, je monte, je tiens. Facile. Alors je complique. Je resserre mon point d'ancrage. Je monte. Et je descends. Par contre, continuez à monter très très haut sur la demi-pointe. Et je descends. Allez-y. Bien, bien haut. Et je descends. Gainez toujours bien. On tient sa rétro. Et je descends. Je tiens. J'ouvre. Et j'essaie de monter, de décoller les orteils du pied que vous voulez. Et je maintiens. On essaye. Allez, on est en force. Très, très bien. Quand je ne peux plus, je pose. On recentre, transfert du poids du corps. Je lève les orteils de l'autre pied.
Fixez votre regard sur un point, vous avez l'habitude. Ici, grandissez-vous, la ficelle qui sort du crâne, qui va jusqu'au plafond. Très bien. Et je relâche, ça va? Un petit coup des orteils, puis un petit coup aussi des mains en même temps, parce qu'on aura des points d'appui au sol tout à l'heure, que vos poignets soient également essoufflés. Et puis l'autre pied. Et on va faire au niveau des coudes en même temps. On synchronise et les coudes. Bougez dans tous les sens et la cheville. Très bien. Ok, on est debout. Je vais boire un petit coup. Je bois un petit coup avec vous. Ce qui fait chaud, c'est toujours important de s'hydrater. Et avant le cours, et pendant le cours, et après le cours. Il y a des personnes qui boivent beaucoup d'eau tout le temps, c'est très bien. Voilà, c'est surtout pour ceux qui en boivent beaucoup moins. Souvent, des personnes ont des crampes. Mais oui, moi je suis quelqu'un qui est sujet aux crampes, etc. Je le répète souvent en cours, ça paraît tellement évident. Mais les crampes sont souvent issues de manque de magnésium. Où est-ce qu'on trouve beaucoup de magnésium? On trouve dans l'eau. Donc moi, je vous conseille de boire beaucoup d'eau. Vous allez me dire, on le trouve aussi dans les bananes. Oui, c'est top. On le trouve aussi dans le chocolat. C'est top aussi. Mais si on mange trop de banana split, on grossit, ça c'est moins top. Non, moi je vous propose de varier les eaux. Parce qu'en fonction des différentes marques d'eau que vous pourrez trouver différents grammages en magnésium, en sodium, etc. Et ça, c'est assez intéressant. Ok, je suis de profil. Mes jambes sont pliées. Je vais pencher mon buste. Dans un premier temps, je montre mes bras. Facile. On y va. Trouvez-moi l'équilibre ici. Montez les bras et descendez. Montez les bras. Cherchez l'allongement et descendez. Les bras dans le prolongement de la tête. Si ça monte jusqu'en haut, c'est de voir si c'est bien symétrique. S'il n'y a pas un bras qui monte plus haut que l'autre, parfois on peut se mettre face à un miroir pour vérifier. Ici, assez rapidement, on va sentir les lombaires travailler. Si vous ne maintenez pas fort vos abdominaux, vous allez creuser votre dos, votre placement sera mauvais. Donc si vous sentez que ça serre ici bien dur, c'est normal. Très bien, vu que celui-ci passe bien, je vais stabiliser et je me mets sur une seule jambe, l'autre jambe pointée derrière moi. Et je vais lever les jambes et les bras, oui, oui, c'est ça. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Gardez-moi les épaules bien dans l'axe, les hanches bien dans l'axe. Encore. Je monte et je contrôle ma descente. Je monte et je contrôle ma descente. Encore. 5. Vérifiez votre point d'ancrage du pied au sol. Donnez-moi de la résonance dans l'extérieur du pied, vous avez l'habitude. Quand est-ce qu'on souffle? Bien quand on monte. Sur la prochaine, on reste, on fait des petits en l'air. Allez-y. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que ça tient chez vous? Verrouillez vos abdominaux, la jambe bien allongée qui va très très loin derrière. Et je relâche. On va déjà détendre le dos. Allez-y, arrondissez votre dos et étirez. Prenez le temps de respirer. Peut-être que le rythme cardiaque est monté un petit peu. Je fais pareil avec l'autre jambe. Je fléchis. Je trouve mon point d'ancrage. Je me prépare à lever les bras en même temps en soufflant. C'est parti. Et je descends. Peut-être que vous allez monter moins haut que moi, c'est pas grave. Allez-y à votre rythme. D'accord? Je monte, je souffle et je retiens ma descente. Je monte, je souffle, je retiens ma descente. Allez-y. Très, très bien. Encore. Allongé. Quelqu'un vous attrape par le bout des doigts, par les poignets. Quelqu'un vous attrape par le gros orteil derrière. On vient chercher l'allongement. Sur la prochaine, on reste. Vous êtes prêts pour les petits? On y va. Verrouillez-moi les abdos. Fixez toujours votre point pour avoir votre équilibre. Naturellement, si c'est trop dur, hein, comme je le dis à chaque fois, vous prenez un meuble, une chaise. On n'a pas tous le même niveau. D'accord? Je stabilise. Allez, loin, 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 loin. Visualisez-moi quelqu'un qui vous prend d'un côté et de l'autre. Et doucement, je reviens, je relâche. Pareil, on détend le dos qu'on a bien senti travailler. Lâchez le postérieur. Je relâche et je déroule tranquillement.
Très bien, on va continuer avec le dos. On va faire un petit push-up. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Moi, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est le travail de déroulé du dos, puis aussi travailler un petit peu les bras. Je le réexplique rapidement. Je suis au bout de mon tapis. J'enroule ma tête, mes épaules. Faites-moi vraiment un vrai lâcher prise parce que ça fait beaucoup de bien. Au dernier moment, j'avance. Si je peux, je ne pose pas mes genoux, d'accord? Pas tout de suite en tout cas. Et ensuite, je les pose, sauf pour vous messieurs. J'ouvre bien large mes mains, je descends en pompe et je remonte. On est bien d'accord? Lorsque je descends ma pompe, c'est ici en face de moi. Je ne mets pas mon nez au niveau de mes mains, ça c'est pas une pompe. Et puis je redéroule en reposant mes orteils à l'envers. Je lève mes genoux dès que possible et je me relève. Pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, vous ne descendez pas en pompe, vous restez simplement, une fois que vous êtes en bas, peut-être en équilibre ici en planche, et vous revenez. Lorsque vous revenez, n'essayez pas de déhancher, d'accord? Restez bien dans l'axe, dans l'axe. Ça va? On en fait 8. Allez-y à votre rythme. J'inspire et je souffle. Faites du bien à votre dos ici. On assouplit. On serre bien, on gaine bien, je descends, j'inspire et je souffle, je remonte. Dès que je peux, je lève mes genoux, je déroule. Je pose mes pieds à plat, je ne mets pas de mes mains pour me relever. Je souffle en montant. Et j'inspire, je souffle, je redescends, ça repart. Je gaine bien, rétroversion du bassin, j'inspire, je souffle, je remonte. Je lève mes deux genoux en même temps, je repousse mon corps avec mes mains. Je prends le temps, j'inspire et je souffle. Certaines personnes vont dire « Oh, mais moi, j'aime pas parce que je mets la tête en haut, la tête en bas et ça me donne le vertige. Je n'aime pas ça. » Eh bien, moi, je vais vous encourager à continuer à le faire. Parce que plus vous perdrez l'habitude de savoir mettre votre tête en haut et votre tête en bas, c'est source d'équilibre. Les gens qui n'arrivent plus à mettre la tête en bas sans avoir le tournis sans arrêt, elles vont avoir des grosses pertes d'équilibre et des chutes, une perte d'autonomie très grande. Il y a tout un tas de choses que vous n'arriverez plus à faire. Tenir sur vos jambes, faire des choses anodines comme vous baisser pour faire un lacet ou faire le lacet de vos petits-enfants. Voire même de vos enfants, tout dépend de l'âge que vous avez. J'inspire, je souffle, tout un tas de choses. Allez chercher des choses dans le placard en bas, soulever une charge. Donc continuez, même si pendant quelques temps c'est un peu inconfortable de mettre un peu la tête en haut et la tête en bas. Allez-y. Vous avez un organe au fond de l'oreille interne avec des petits otolithes qui ont besoin d'être stimulés régulièrement. Alors, ils peuvent être stimulés en travaillant le haut-bas. Ils peuvent être stimulés également lorsqu'on tourne sur soi-même. Allez-y, continuez. Lorsqu'on tourne sur soi-même, on le fait assez souvent en aérobic celui-ci, d'accord? Où on demande de tourner un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Puis pareil, certaines personnes sont très inconfortables lorsqu'on fait ce genre de choses. Voilà, moi j'essaie de me placer à chaque fois dans tous mes cours parce que voilà, c'est une source aussi de bonne santé que de faire travailler ces petits otolithes. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez fait vos 8? Presque. Il me semble qu'il restait encore un. Et puis je vais vous proposer de rester en quadrupédie au sol. Quadrupédie à quatre pattes. Si vous avez des problèmes de genoux, vous n'êtes pas très à l'aise sur vos genoux à quatre pattes, parce que prothèse ou quoi que ce soit d'autre, pliez votre tapis, mettez une grosse couche d'épaisseur avec, je ne sais pas, ce que vous avez, un coussin, une serviette, etc. Que vous soyez bien confortable le temps du travail. On va être ici sur nos poignets. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on travaille, c'est assez étonnant, mais on va travailler nos cervicales, oui, nos cervicales grâce à nos poignets. Alors ici, je suis bien à quatre pattes, un petit peu en arrière, mais vraiment un peu. Je rentre ma rétroversion du bassin, mon dos est bien plat. Mon sommet du crâne va d'un côté, le coccyx de l'autre. Et puis ici, je vais tourner mon poignet dans un sens, dans l'autre. Vous voyez, j'ai mis mon poignet dans un sens, puis dans l'autre, puis dans l'autre, puis dans l'autre.
Vous allez essayer tout un tas de côtés et en même temps, vous allez bouger votre tête. D'accord ? On peut enlever une main peut-être. Et puis essayez des mouvements de nuque. Tout doucement. D'accord ? Je mets mon main dans un autre sens. Le coude est tendu. Et je viens chercher les mouvements de nuque. Et puis je peux essayer la main à l'envers. Mais peut-être la main à l'envers, vous aurez besoin d'avoir l'autre main en appui. Tout dépend de la force que vous avez dans le poignet. Et puis pareil, je viens chercher des mouvements de cou et de cervical. Parce que tout est relié depuis votre poignet. Un petit dernier. Prenez le temps de bouger comme ça vous convient. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran. Soyez sur votre ressenti. On va passer sur la deuxième main. Donc une main en support ou une main derrière, c'est comme vous préférez. D'accord ? Je suis bien stable ici. Et puis pareil, je viens chercher les muscles de ma nuque. Je sens mon trapèze. Je sens les muscles du cou. Et je viens détendre en soufflant. Et puis j'essaye une autre position de main. Allez-y, faites du bien. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de mal de tête. Mal de tête régulier. Bon, il peut y avoir des tas de raisons, mais ça peut aussi venir de douleurs cervicales. Parce qu'on ne prend pas suffisamment soin de ses cervicales. Là, vous leur donnez de la mobilité. Et vous leur faites du bien. Allez-y. Vous pouvez fermer les yeux pour travailler sur le ressenti. Vous pouvez y aller plus vite ou plus doucement que moi. Si vous voulez passer à la phase avec la main qui se retourne, je vous conseille quand même de poser l'autre main. Respirez profondément et soufflez. Ok. Allez, ce coup-ci, je repasse à quatre pattes et on va travailler un peu plus le renforcement. Je retrouve ma rétroversion du bassin. J'allonge une jambe derrière. Je n'ai plus que trois points d'appui sur lesquels je suis bien ancrée. Mes mains, d'ailleurs, j'essaie de poser plus mon poids du corps sur mes doigts que sur ma paume. Et mon genou, j'allonge cette jambe. Quelqu'un m'attrape par le gros orteil, même principe que tout à l'heure. Puis je vais lever la main devant, peut-être d'abord en contact avec le sol, pour trouver mon équilibre. Et ensuite, je lève. Je verrouille bien mes abdominaux, je ne creuse pas mes lombaires et je vais faire des petits mouvements. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je maintiens. Allez, on est reparti pour la deuxième. C'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je maintiens. Il y en a encore deux. Allez, on imagine de la longueur encore. Tenez-moi vos abdos, serrez les côtes. Respirez. 8, 7, plus loin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pensez à bien allonger votre genou. Gardez pas le genou un peu plié. La sensation du fessier ne sera pas du tout la même. On y va. Dernière fois. 8, 7, 6, 5, 4, 3, courage. 2, 1. Et je replace. On part en arrière, on détend, allez-y quelques instants. Respirez. Et je retrouve ma position à quatre pattes de nouveau. Roulez-moi vos épaules vers l'arrière, ne soyez pas tassés ici. D'ailleurs, on peut le travailler. On a fait les cervicales, on peut travailler celui-ci avant de faire l'autre côté. Relâchez et remontez. Relâchez. Mes épaules se rapprochent l'une contre l'autre ici. Parce que si je me rapproche en parallèle. Oh! Baissez la luminosité. Ok. Ici, si je me rapproche, regardez. Mes épaules, d'accord ? Il ne s'agit même pas encore de mon bas du dos, d'accord ? Ce n'est pas les lombaires, c'est vraiment au niveau de l'antre ou mon plate. Vous relâchez, vous affaissez et vous remontez. Beaucoup de personnes qui travaillent des planches ont tendance à être affaissées ici. Ce n'est pas bon du tout, d'accord ? Donc là, on travaille la mobilité. Donc là, ici, c'est intéressant aussi pour détendre. On est souvent très crispé ici, là, vous le savez. Voilà. Ici, on donne, recréer de la mobilité pour
pour enlever la cyphose. Voilà, si vous connaissez des personnes cyphosées, par l'erreur de cet exercice. Encore deux, encore un, et c'est reparti. On va restabiliser à quatre pattes. Vous êtes prêts? Ne vous trompez pas de jambe, ça c'est dommage. J'ai mis quatre points d'ancrage. Mon poids du corps légèrement vers l'arrière. Et puis j'allonge l'autre jambe. Je n'ai plus que trois points. Centrez bien vos trois points, les deux mains et le genou. Doucement, je mets mon doigt devant et je me prépare à lever. C'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Verrouillez-moi bien vos abdominaux, resserrez vos côtes. Ne laissez pas les côtes s'ouvrir. C'est reparti. 8, 7, 6, 5. Allez, une belle pointe de pied, c'est plus joli. Et je stabilise. Les deux dernières, on y va ensemble. 8, 7, 6, 5. On contrôle. 4, 3. Et on synchronise. 2, 1. Courage la dernière. Allez, ne m'affaissez pas les épaules. Gardez la force. C'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Je reviens délicatement. Je suis en arrière. Et depuis l'arrière, je vais pousser depuis mon bas du dos pour arrondir mon dos. Vous êtes prêts? Je pousse depuis mon bas du dos. Je vais légèrement vers l'avant. Et je repars depuis mon bas du dos très haut. Je viens me réasseoir. On fait du bien à son dos. Allez-y. J'inspire profondément. Je suis au sol. Et je souffle, je monte. Allez-y encore. Encore une fois. Hop. Et une dernière. Poussez bien les lombaires en premier. Soufflez les lombaires. Et je stabilise. Bras tendus. Épaules vers l'arrière. Lâchez pas les abdos. Et je ramène. Très très bien. Je viens me placer sur le côté. On va travailler un peu plus nos obliques. Alors, on s'installe. Vous allez voir, il est facile. Si, si, c'est promis, ce sera facile. Donc, je suis ici et je vais me mettre sur ma main. Sur ma main. Je monte sur mes genoux et je repose. Je monte sur mes genoux et je repose. Encore. Je ne l'ai pas dit avant de partir, il est évident. Essayez, faites-le tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? J'apaise mon épaule, du coup, mon côté a lâché et même mon poignet n'est pas content. Alors que si vous partez ici, tout va beaucoup mieux. Votre épaule est détendue, vos doigts sont détendus et votre côté va travailler correctement. D'accord? Je souffle. Et je repose. Encore. Moi, j'ai les jambes un peu trop près de moi. Je pense que là, c'est mieux. Et je repose. Encore. Et je repose. Encore. Allez, montez-moi ces hanches. Et je repose. Encore. Ne lâchez pas d'un coup, hein. C'est le fait de retenir la descente qui fait travailler. Très bien. Vous avez bien le tapis sous vos genoux pour vous protéger. Ok, on passe au niveau suivant. C'est parti. Je reste ici. J'allonge une jambe. Et je vais. 8, 7, 6, 5. J'ai entendu. C'est pas grave si vous ne touchez pas. Hein. Si vous arrêtez là, c'est pas grave. 2, 1, je stabilise, allez chercher loin, 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 ouvrez votre poignet et ici laissez tomber de chaque côté, descendez, 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 et je relâche. Ça va? On passe à l'autre côté. Je plie mes genoux, je pose ma main, je n'affaisse pas mon épaule, j'ouvre dans ma cage thoracique, ma taille est bien haute. Mes genoux sont l'un sur l'autre, je tiens mon ventre et même ma petite rétroversion du bassin. Vous vous souvenez, on souffle? C'est parti. Et je descends, je retire la descente. Soufflez. Allongez. Quelqu'un vous attrape par le bout du poignet là-haut? Et je redescends. La taille et les hanches montent très très haut ici, depuis le sol. Et je redescends. Encore, allez-y. Délicatement et avec la respiration. Très bien. Encore.
Vous êtes prêt pour la suite? Je prends bien appui, je monte, j'allonge ma jambe, je réduis les pieds. Hop. Et ce coup-ci, je lève. 8, 7, 6, 5, allez courage, 4, j'ai entendu, 3, 2, 1. Et là, je pose mon gros orteil et j'allonge le plus possible, je cherche l'étirement. Sortez la tête des épaules encore quelques instants. Et je relâche doucement, je souffle. Ça va chez vous? Oui? Ok, abdominaux. On va faire un peu de chaise renversée. Du coup, je pense que je vais descendre la caméra pour que vous soyez à ma hauteur. Hop. Très bien. Chaise renversée. Comment je place mon dos? J'attrape mon bassin. Vous avez vu, j'ai soulevé mes fesses. Je les roule pour allonger mon dos. D'accord? J'aplatis mon ventre, je resserre mes côtes. Je roule mes épaules vers l'arrière, je coince mon petit stylo entre mes omoplates. Je prends la base de ma nuque ici. Je tire la peau du cou. Je l'allonge et je reste ici bien, bien allongée. Les épaules bien roulées vers l'arrière. On peut avoir les paumes de main vers l'extérieur. Vous vous rendrez compte que vos épaules, ici, si vous avez vos épaules qui roulent vers l'avant, vous tirez sur vos cervicales. Si vos épaules sont bien calées vers l'arrière, grâce à l'orientation des paumes vers le plafond, vous placerez mieux vos épaules. J'inspire, je souffle, première jambe, le genou bien dans l'axe de la hanche, d'accord? Votre jambe n'est pas plus haute, sur votre tibia je mets un plateau, sans gonfler le ventre, vous pouvez vérifier en plaçant votre main ici. Je monte la deuxième jambe et je maintiens déjà ici pour bosser mes abdominaux. Qu'est-ce qui se passe? Je maintiens mon périnée que je remonte à l'intérieur de moi. Je dois avoir un léger, mais je dis bien un léger creux lombaire qui doit rester. Je ne vais pas plaquer complètement vos abdominaux, d'accord? Par contre, au niveau des côtes, il ne doit y avoir aucun creux, d'accord? Les côtes bien, bien aplaties. Puis on reste encore plus longtemps. Si vous sentez que vous avez les jambes trop levées, rebaissées, les jambes trop près de vous, là aussi ça soulage, hein? Non. Ici, chaise renversée. Et je maintiens. Puis je vais allonger la première jambe et je reviens. Je souffle, j'allonge la deuxième et je reviens. Encore, allez-y. J'allonge. Et je reviens. Mon ventre reste aplati. Et je reviens. Je souffle. Et je reviens. Allez-y encore. Gardez les épaules au sol. Si vous avez une syphose trop avancée et que votre nuque va trop en arrière, malgré tous les conseils que j'ai donnés au niveau des épaules, je vous conseille de mettre une petite serviette sous la tête pour vous relever légèrement la nuque. D'accord? En attendant qu'on puisse continuer à rééduquer au niveau des épaules. Soufflez. Si ma série est trop longue par rapport à votre endurance ou trop difficile, soit vous faites une pause, soit vous adaptez en n'ayant qu'une seule jambe, d'accord, et l'autre qui reste au sol, d'accord. Vous en faites peut-être 4 d'un côté et puis ensuite 4 de l'autre. Pour les autres, on termine les dernières. 8, cette dernière, allez allonger, 6. Le gros orteil en direction de l'interrupteur. Soufflez et inspirez en revenant. Soufflez, inspirez en revenant. Gardez-moi votre bas de côte bien collé. Une erreur récurrente ici, quand on n'en peut plus au niveau de ses abdos, c'est de lâcher vers l'avant son bassin. Et là, du coup, on se blesse les lombaires. Je repose délicatement et je descends. On va faire le suivant. On va repartir en chaise renversée et on va faire l'exercice avec le 100. 5 battements pour une inspiration, 5 battements pour une expiration. Et on en fait 10. Vous êtes prêts? On peut lever la tête, c'est une option supplémentaire, plus difficile, où on peut se tenir ici. Je lève une jambe, je lève la deuxième. Une option plus difficile encore serait d'allonger une jambe. On l'a fait la semaine dernière. Choisissez votre option. C'est parti.
c'est trop dur d'avoir la tête levée, vous pouvez poser la tête ou choisir l'option de mettre une main derrière votre tête et de continuer. Gardez-moi vos lombaires, si vos pieds bien collés au sol. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Respire, 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 expire, 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 expire. Je ne sais plus où j'en suis. J'espère que vous avez fait vos 10. On doit être pas loin. J'en fais une dernière. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Délicatement, je repose une jambe, je la repose. La deuxième. Et je tire. Encore, 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 encore. On va faire encore un travail de souplesse et de coordination. Les abdos sont également impliqués, mais également la peau de l'intérieur des cuisses. Vous savez la peau qui pendouille là? Celle-ci. Je vais essayer de monter mes deux jambes à la verticale. Si je n'y arrive pas, je peux plier un peu mes deux jambes, c'est pas gênant. Par contre, je vais vous demander d'avoir les jambes en ouverture. D'accord? Pas les jambes genoux contre genoux, mais les genoux ouverts. Je vais descendre en flex. Et je pointe, je remonte, même si les jambes sont pliées. Je descends en flex et je remonte en pointe. Si je peux avoir les jambes tendues, je descends en flex et je remonte en pointe. Mes épaules sont bien roulées vers l'arrière. Et je remonte, je souffle. Si vous sentez que votre bassin part trop vers l'avant, c'est l'occasion de plier vos jambes vers vous. Allez-y encore. Je flexe, je descends. Je pointe, je souffle, je remonte. Je flexe, je descends. Restez voir en bas quelques instants. Avant de remonter, essayez de visualiser votre périnée qui se resserre, de sentir l'implication et la connexion entre le périnée et les adducteurs pour vous permettre de pointer et de remonter. D'accord ? On connecte les adducteurs avec le périnée. Toutes les fois où vous aurez des charges lourdes à porter, etc., vous apprendrez à faire cette connexion entre le périnée et l'intérieur de vos cuisses pour avoir plus de force. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'inspire en descendant et je souffle en remontant. Allez, je tiens mon périnée tout du long et j'essaie encore plus mon haut où je remonte. Voilà. Je vous le fais en version jambes pliées, version jambes tendues avec les jambes bien au-dessus de soi, ça marche aussi. Est-ce que ça va, ce petit mouvement de cheville? Là aussi, c'est de la coordination. Je descends en flex et je remonte en soufflant en pointe. Allez-y encore plusieurs fois. Insistez-moi sur ce flex. On travaille aussi sa cheville. Très important d'avoir une cheville souple et solide. Toutes les personnes qui sont sujettes à avoir des entorses assez régulièrement, on travaille. Est-ce que vous arrivez à être bien symétrique lorsque vous descendez? Ou est-ce qu'il y a une hanche qui descend plus que l'autre? Ça commence à chauffer. Ah oui. J'inspire en descendant, je pointe, je souffle en montant. Allez, les quatre dernières, on y va. Si la vitesse d'exécution n'est pas la bonne pour vous, adaptez-vous à votre rythme respiratoire. Allez-y, on a bientôt fini. On va passer à un peu de souplesse. Avant que je vous laisse partir, je pointe, je reste. Posez-moi vos mains sur vos genoux, qu'ils soient pliés ou tendus. Mettez-moi une pression de vos mains sur vos jambes. Allez-y. Pareil, ne laissez pas votre bassin partir. Maintenez-moi tous en place. La tête ne part pas vers l'arrière. En général, dès qu'une tête part vers l'arrière, quand je suis en cours, je le vois tout de suite, c'est que les abdos ont lâché. Donc, ramenez-moi cette nuque longue. Appuyez encore quelques instants. On peut avoir les jambes tendues, ce n'est pas interdit. Encore, 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 encore. On va essayer un petit quelque chose. D'accord ? Je sais que vous n'avez pas tous le même niveau. Ceux qui veulent rester ici et juste détendre le dos, vous pouvez rester ici à faire des petits ronds. Les autres, on peut essayer autre chose. D'accord? Je vais vous proposer de lever vos jambes en chandelle. Donc, il va falloir prendre un petit peu d'élan. Et vous allez garder pas le visage vers moi, mais le visage au-dessus de vous pour mettre vos pieds derrière la tête. D'accord? Lorsqu'on a ses pieds derrière la tête, on garde son visage dans l'axe. Donc, je prends une respiration. J'emmène mes jambes en chandelle. Et puis, je tire mes jambes derrière. Elles peuvent être pliées.
N'allez pas sur vos cervicales, restez sur vos épaules. Votre tête peut bouger, d'accord? Vous n'êtes pas sur votre nuque, mais sur vos épaules. Avec vos coudes, vous calez le poids de vos fesses. Puis vous essayez des choses. Est-ce que vous arrivez à tendre les jambes, à toucher par terre, peut-être à ouvrir vos jambes, resserrer. Essayez de plier une, puis ensuite de plier l'autre. On reste ici encore quelques instants. Et avec les mains, vous allez retenir la descente. Élargissez-moi votre dos dans le sol et laissez-moi redescendre votre dos tout doucement. Très, très bien. Et puis on va relâcher un pied au sol et une jambe tendue. Ça va pour celui-ci, j'attrape ici derrière et je souffle, je ramène. Attraper derrière le mollet, derrière la cuisse. On essaye d'avoir la jambe tendue. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Et je souffle, je remets. Ça peut trembler parfois. Et je relâche. Je change. Jambe tendue, j'attrape. Et je souffle, je ramène. Roulez-moi les épaules. Encore, 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 encore. On a presque fini. Je vous propose de relâcher. On va se rouler sur le ventre. Hop. On se détend quelques instants. On a les bras en triangle. Et puis on va pousser ici notre pied vers nous. Et j'attrape mon pied. Une fois que j'ai mon pied dans la main, je pousse ma rétroversion dans le sol, d'accord? Ici, j'ai mes fesses que j'appuie mon pubis dans le sol. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, ce qui a un peu plus l'habitude avec moi, c'est pas simplement je pousse mon pubis dans le sol, c'est je pousse une telle rétroversion. Je pousse tellement mon bas du dos vers le haut que mon pubis ne touche plus, d'accord? Mon périnée bien, bien serré peut rapprocher son talon jusqu'à la fesse. Et là, ça tire encore plus fort dans le quadriceps. Et je relâche. Si vous ne le sentez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Hein. Ne soyez jamais frustré sur un exercice. Voilà. Je propose plein de choses. J'inspire et je souffle. Niveau 1, j'enfonce le pubis dans le sol. Niveau 2, si j'arrive à le faire, je pousse une telle rétroversion que mon pubis ne touche plus. Non, pas lever les fesses. Hein. Ça n'a rien à voir avec un lever de fesses. C'est le bas du dos qui se lève. Et je relâche délicatement. Je pose mes mains près de la poitrine. Ma tête est loin vers l'avant et j'allonge. Arrêtez-vous là où vous ne pouvez plus. Et puis peut-être essayer de se rouler les épaules vers l'arrière. Une fois qu'on est là, on peut essayer de regarder à droite et à gauche. Et je redescends, je repose délicatement. Ce coup-ci, je pousse les fesses en premier vers l'arrière. Allez-y. Et je viens m'asseoir. Je garde mes bras le plus loin possible devant. Je fais du bien à mon dos. On reste ici quelques instants. Vous pouvez poser le front. Tout en restant dans cette position, attrapez-moi vos poignets. D'accord? Dans votre dos. Et essayez d'allonger vos bras. On y va. Roulez-moi vos épaules vers l'arrière. Ne laissez pas vos épaules se tasser vers vos cervicales, vers votre tête. Je relâche doucement, j'attrape l'autre poignet. J'inspire profondément, je souffle, je monte. Roulez-moi les épaules vers l'arrière. Ne laissez pas le haut du dos s'avachir. Et je relâche doucement. Je repose les mains et je déroule tranquillement. Ça va? Ça s'est bien passé? J'espère que vous avez passé une bonne séance et que vous êtes beaucoup plus détendu que vous ne l'étiez avant. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à vendredi soir. Bonne soirée à tous!